monsieur, de retour jeudi, c'est jeudi 28 avril 2022. Gros bonjour et bonsoir pour nous tous. Tant son plaisir pour nous avec vous. Pour nous porter vidéo de formation ça pour sur divers grands points qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Précisément, dossier immigrant haïtien dans le pays Saint-Domingue. Sur tout Facebook là et YouTube, mesdames et messieurs, et bien côté PM Claude Joseph, ancien premier ministre PIA, ancien ministre Affaires étrangères, qui a partagé une vidéo qui montrait comment diverses autorités dans le pays Saint-Domingue a maltraité haïtien à bout de bâton dans meyo ak chaîne nan meyo. Et c'est sous vidéo ça et ben gen un journal dominicain qui c'est et Listine Diallo qui lui même t'a pral prend et donc intervention premier ministre ou bien ancien premier ministre Claude Joseph là et puis t'a pral fait yon et gros article sous dossier ça qui montrait et comment République Dominicaine a maltraité haïtien sinon yon véritable problème immigrant haïtien yoyé dans pays dominicain. Et bien donc président colombien qui dit même c'est Ivan Duque, mesdames et messieurs, qui débarqué dans pays Saint-Domingue après et donc divers gros palto yo ta kembe nan question drogue dans pays et Saint-Domingue. Et puis gen donc assassinat président Jovenel Moïse nan ki ta gen yon quantité l'argent qui passait par banque dans République Dominicaine. Et c'est là et bien colombien yo même te jwenn l'argent pour vin touyer Jovenel. Et bien président colombien débarqué en République Dominicaine pour le connaître et plus détails sous question ça. Et est-ce que nous avons dit Jovenel pour la justice? En tout cas, nous pas connaître. Nous allons vite bien plus de détails avec Galvez Anticose Nampanyol qui pral ban nous dernier update yo. Et bien qui ça qui pral fait ensuite sous dossier ça. Sinon, bonjour à tout le monde net. Le coup, je dis, nous parlons comme des autres. Dernier pas de mon bras dit, moi je vais nous répéter la même. Mais en attendant, gagné président Ivan Duque, actionnant qui trouve dans le pays Santo Domingo. Ivan Duque, c'est président colombien. Yes. Actuellement là, depuis hier, nous connaissons l'aéroport dominicain, Las Américas, eh bien, il était militarisé et Advenzio est arrivé bien bonheur en préparation. Et dans le moment, Ivan Duque qui vient remplir un agenda très fermé dans le Bagnol, là, il vient pour réunir avec plusieurs autorités, parmi le président et Abinader. Mais tout, on coupe cloche, on coupe cloche, Lugo, on coupe cloche. Ok, Ticlode, ancien ministre de l'étranger, mettez Dominicani sous tension. Après une vidéo, côté un militaire dominicain a bâillé beaucoup de bâtons avec plusieurs immigrants haïtiens. Eh bien, Ticlode fait un tweet sorti. Eh bien, tweet ça, mettez Dominicain sous pression, sous tension. Et m'invite tout le monde à regarder qu'on y a la même journaliste in diario. Eh bien, côté, il y a pour côté militaire qui a bâillé un coup de bâton. Hein. La batterie, eh bien, si le 38 sorti, eh bien, depuis hier, et ça a chauffé Dominicain. Depuis si le palais, eh bien, lui mettait Dominicain sous tension. Loco, je vais répondre à l'autre là, je vais le faire avec, je vais tout le faire avec. Je vais considérer les paroles, tant que je vais pour nous tous dire ensemble. Je vais commencer. 1, 2, 3, 4. Ah, ouais! Non, non, faut nous répondre de moi, lui. Pour qui ça, moi, ça? Rivé président Ivan Duque, Colombie, et actuellement qui est Santo Domingo, ça veut dire un paquet de paroles. Dans le moment, côté la droite, envahir la Dominicanie, hier encore, hier après-midi, dans la province, et Bani, Peralia, la 250 de Kembe, 644 kilos caïn. Oh! Après-midi encore. Ah bon? Hier oh! Après-midi encore. Oh! Hier après-midi. Vous pensez que Sakavimba, Luis Abinader, a un problème qui devant? Non, il y a déjà un problème même. C'est un problème qu'elle gagne. Au contraire, c'est un problème qu'elle gagne. Donc, on va aller Saint-Domingue. Et tu as gagné la marine colombienne qui t'a visité Saint-Domingue, ça fait 4 mois. Tu t'a visité le côté, tu t'es venu. Il était allé dans la douane sans souci. Et Santo Domingo, côté Oshita, il était parlé, la marine colombienne. Jodia, il y a Ivan Duque qui vient, parce que pas oublié, il y a plusieurs Colombiens qui étaient Saint Domingue avant de rentrer à Haïti. Et pour ils ont venu joindre l'ancien président Jovenel Moïse. Par contre, ce sont les hypothèses. Très bien, très bien. Et bien, dans le journal colombien, El Tiempo, il y a un soldat qui parlait. Eh bien, Paolo li parle yo, monsieur Saint-Domingue tout, eh bien, ça a mettre en paquet qu'on a président Ivan Duque, besoin qu'on ait de quoi il en est,
c'est ça que fait actuellement là, les trouver là, l'État dominicain là, eh bien, pour y venir chercher qu'on est, premièrement, dans les soldats colombiens, c'est la descente, dans Pagnol, et avant qu'on entre Haïti, y venir chercher qu'on est. C'est ça que fait, m'a retourné encore, en l'autre désir, moi besoin, José Lexidor, avec tout le monde, rel et débrûlé. Ah, moi! Bon, voilà donc Galvez est capable de faire de temps en temps. Sans raison. Et pour nouvelle, donc sur la République dominicaine. Alors, faut dire tout. Alors, peut-être pas parler à Abinadel là. Non, mais question de là, monsieur. C'est pour nous, ouais, dans quel niveau les monter actuellement là, Saint-Domingue. Actuellement là, Douag a marché à terre. Alors là, on voit que Guéen et plusieurs opérations. Et dit, donc, parce que toute la journée dans Saint-Domingue. Et sous question de Douag. Et puis, Douag a marché. En pile tout, qu'on s'appelle un crime en pile tout. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, nous avons parlé tout à l'heure sur la question de Jovenel Moïse là. Eh bien, dans les États-Unis, il y a un tribunal qui a utilisé la loi qui relève Classified Information Procedure Act. OK, c'est quoi l'élé? Maintenant, pour protéger information et méthode sécurité nationale pays. La loi ça permet gouvernement présenter prévio direct by un juge. Un juge. OK? Direct by un juge sans le papier publié. Yo ka autorisé États-Unis, qui donc pays États-Unis, effacer quelques informations. Sous Miami Herald, par le biais de Luxon Saint-Ville. Luxon Saint-Ville. Merci en ville. Merci Luxon. Beaucoup cloche pour Luxon Saint-Ville. Merci en ville. En tout cas, alors nous t'a pas. Yo ka autorisé, yo ka autorisé tribunal là, effacer sans papier publié, effacer n'importe information qui paraît et compromettre. Tout ça gagne avec sécurité de ca protéger, de ca protéger, c'est ça. Abel Dupont, bonsoir. Abel Dupont, bonsoir. C'est loi pour protéger. Gérer sécurité nationale. Ça veut dire mon frère. Pays veut dire pays, chef. Ah ouais. Ah ben Jovenel Moïse a gagné justice là, donc vous comprenez donc pas passer là. Mais que la gagne nèg en prison. Qui a la gueule en prison? Nous va faire des bazar déjà. Qui a la gueule? Qui a la gueule? Qui a la gueule? Police en prison? Qui a la gueule? On nous parle de, pendant parler de prison là. Est-ce que Macron a une information qui a circulé donc sur les réseaux sociaux qui t'a fait quoi que Yon Yon est tapé en 4 balles donc dans pénitencier national. Donc nous t'as aimé que confirmer information ça. Macron si c'est vrai c'est pas vrai. Et si quelqu'un est dans pénitencier capteur de matin débat, monsieur vous un petit message moi et pour nous capable de confirmer information ça. Est-ce que c'est vrai? Yon yon ta pren bal, donc nan pénitentiaire national. Monsieur va nan la rue, comment vous pren bal la? Oh, attendez. Nèg la pa flanè nan la rue, comment vous pren bal la? Pas facile comme ça. Monsieur Gampi, monsieur Krenop. Pas facile comme ça nan pénitentiaire national, on peut la tout. Bon, est-ce qu'on est l'ou connaissi? En tout cas, yon moun qui nan pénitentiaire, monsieur, bon, ti ba mouen. Et bon, confirmer information, mouen, ou bien. La police. Nèg yon plus intérêt pour tout, monsieur. Et moi, cap tout ça là. Ah bon? Yon yon plus intérêt. Yon yon, pas sorti vivant dans prison. C'est moi qui tout ça. Ah bon? Yo yo gen toute information dans elle en comme si 400 maozo dit que gen avec des nèg cap fait trafic zam cap communiquer pour al kidnapper mon c'est des bagailles comme si vous pensez que yo al quitter de yo en vivant y a tué mon cher bon d'ailleurs moi fait plus temps monsieur fait plus temps t'es chargé t'es chargé en tout cas alors nous t'as pas parlé de Abinadel là et gen OMS qui invite là dans ouverture assemblée mondiale de la santé qui a fait là en Suisse le 22 au 28 mai et c'est lui-même qui va l'ouvrir à l'ouvert événement donc pour la Caraïbe c'est lui-même qui a invité président dominicain pour participer comme orateur dans la cérémonie d'ouverture de l'assemblée mondiale de la santé qui a fait du 22 au 28 mai 2022 docteur Henry. L'accent sera mis, entre autres, sur la fin de la COVID. C'est sous ça, et Abinadel va l'ouvrir. Oui, l'autre doit être COVID. Alors, ce qui il n'y a pas parlé de la fin de la COVID. Et en Chine, là, ils ont commencé à refermer l'école à cause du cas de COVID qui commence à arriver. Tant et pas moi ici. Comme si vous avez un conseil de ministère, comme si vous acceptez mon Marie-Figuio. Pour qui ça là? Bon, nous connaissons, nous t'a fait procédure, nous t'a goumé, là quand nous pas gagne maladie jusqu'à présent nous pourquoi j'aime camper pour nous dire mon yo libre comme si ça n'a pas ah yo poko bay résultat cobla en tout cas OK bon son dossier n'a suivi ici donc à l'émission matin débat donc dossier Jovenel Moïse là et ben il classé donc sous scellé OK, pas en tribunal, donc en Floride.
Donc c'est pas toute bagaille désormais on connaît encore. Donc sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, son dossier n'a suivi ici. Donc à l'émission Matéliba, grand maître Jean-Samé Oxelin déjà là. Eh bien, nous allons parler de spiritualité, madame, monsieur. Gondam Bordepin, nous allons recevoir là. Très bien. Vous comprenez? Bon, j'en sais même. Son petit oiseau, monsieur. Je suis monsieur ensemble avec nous, je vais regarder moi, monsieur, poster dans l'avion à partir. Et ça, moi, mais ouais, j'en dis en moi, oui. Ah oui. Bam dino. Moi mais j'ai Esaïe dit. Pour monde qui connent jouer bolette yo, avec tout ça qui pas connent jouer bolette yo. N'a tout fait nous connaît et comprendre bien, jouer bolette pas un déshonneur. C'est un investissement lié. Jouer bolette c'est rêver une la vie meilleure. Jodi a n'a parlé de yon jouet qui relé l'auto 3. L'auto 3 c'est une option jouet bolette traditionnelle